la game se lance, ça c'est la bonne chose. Donc on va quand même attendre un petit peu avant de monter ses sorts, c'est tout ce qu'on va essayer d'apprendre à s'améliorer, bien évidemment. On ne monte pas tout de suite ses sorts. Et j'ai pas mis de fond musical, j'ai oublié de le mettre. Je m'en rends compte. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Qu'on est parti vraiment en même temps. Donc là, oui, il y aura pas de type musique. Attention, mes flingues commencent à s'impatienter. Oh, dis bonjour à mes petits potes. Ça va être la guerre des étoiles. Ok. Donc c'est plutôt une bonne chose là. C'est plutôt pas mal. Le chaos qui s'est trouvé un but. Oui, je devrais être puni, mais non. Mais non. Donc, normalement, le Shaco n'a pas besoin d'aide. Surtout qu'on a plutôt fait un bon taf à ce niveau-là. Ouais. Clairement, ils sont en train de se démarrer là-haut. Shaco n'a jamais eu besoin d'aide. Je vais essayer de faire ça sans douleur. Promis. Ok. Donc oui, pour une fois, j'ai commencé au zap. Ok, c'était juste pour faire ça. Est-ce que c'était nécessaire, ma petite Nami? Je ne sais pas. Et dire que j'ai été choisie pour faire ça, c'est dingue. Ok. Désolée, c'est mon devoir de te détruire. Donc désolée, pour l'instant. C'est la première étoile qui m'a forcé. Moi, j'estime que mon farm est loin d'être dégueu. J'en ai loupé un. Hein. Avoue que celui-ci, je l'ai un peu loupé. Ok, je suis à 13, il est quand même à 14 de farm, mais il en a pris beaucoup plus que moi. Hein. Bon, pour l'instant. Totalement my bad. Mais mon sbire à tel point que. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. Je suis pas sûre d'aimer ce costume de gardienne des étoiles, moi. Ok. Donc enfin, pour l'instant, apparemment, on est quitte. Sois pas si dur avec toi-même. Je suis là pour ça. C'est rien de personnel. Je suis obligée de t'autoriser. Protego. Le meilleur ami du gars. Mes meilleures qualités, c'est mes flingues. Le rayon de la mort. Ok, je pensais l'avoir enlevé, mais... Pas de soucis. Désolé, c'est mon devoir de te détruire. Oh, piège de lumière! M'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. C'était pas moi, mes flingues agissent tout seuls. Alors? Vous préférez quoi? Alors, c'est qui le meilleur? Je vais essayer de faire ça sans douleur. Promis. Qui est le meilleur?
On va quand même attendre un petit peu, hein, en mongol. C'est bien beau d'avoir la tête dans les étoiles, mais parfois, faut laisser parler les flingues. Je me sentirais presque coupable. Petite étoile, petite étoile. Moi, je vais back tranquillement. Elle, elle va pas être bien. Et ses points de vie, elle est pas oufissime, là. Le truc, c'est que je voulais avoir assez pour me prendre ça, tout simplement. Et je vais me reprendre une petite potion tout de même. Gardienne des étoiles, à la rescousse. J'ai l'air crédible. Oui, bien évidemment, l'ennemi. Mais bon, je l'ai tué, l'ennemi. Hein. Pour l'instant, notre team est en avance. En fait, il est en retard. Lui, au niveau de son farm, etc. etc. Enfin, au farm, il est pas loin. Parce qu'honnêtement, je vais pas farmer beaucoup en ce temps-là. Mais regardez tout le farm qui est en train d'arriver pour moi. S'il gère mal, je suis pas sûr d'aimer ce costume de gardienne des étoiles. J'en aurais plutôt pas mal quand même. Il y a donc très mal joué. Désolé, c'est mon devoir de te détruire. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Ouais. Yes. C'est bien beau d'avoir la tête dans les étoiles, mais parfois, c'est laissé parler les flingues. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Je vais essayer de faire ça sans douleur. Oh, t'allumes le caisse là. Attends, elle était mauvaise, elle aurait dû se décaler tellement. Gardienne des étoiles à la rescousse. J'ai l'air crédible. Ok. Pendant ce temps-là, moi, j'en profitais pour aller mettre de la vision. Coucou, devine qui c'est. Tout simplement, c'est très impressionnant. Mais après, Lux ne fait pas de mauvaises choses. Hein. Mais clairement, donc, j'ai plus de farm que lui. C'est la première étoile. Ça, c'est bon. Ça va être la guerre des étoiles. Yeah. Et ben moi, je trouve qu'on fait un bon taf. Voilà, Chiro. Je vais t'en laisser quelques-uns. Combien? Là actuellement je suis à 46 LP je crois. En tant que bronze. Ah, donc. Eux ils viennent de faire le truc. Attention! Mes flingues commencent à s'impatienter. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. Oh non! M'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. Double roquette. Chiro et Kuro sont prêts à entrer en action. Non mais c'était totalement contre ta part de faire ça. Je prends mes flammes et je rentre chez moi. Je back ça. Et puis j'ai plus de mana. Je n'ai plus de mana. I have no mana. Donc on repart là-dessus. Et je vais pas reprendre deux potions. Je vais reprendre une en safe, mais j'aurais. J'ai combien non? J'ai passé, j'aurais préféré prendre la rechargeable, tout simplement. Malheureusement, bon, j'ai. Je ne pouvais pas. Donc je suis en 3-0 actuellement. Lui il a décidé de partir là-dessus en stuff, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée en vrai. Bon, par contre, ils vont nous amocher plus la toile que nous ce qu'on a pu faire. Il lutte dans 30 et quelques secondes, donc. That is not possible. This. Des flingues et des paillettes. Ça, c'est un combo qui tue. Oh non! M'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. Ok. Gardienne des étoiles à la rescousse. Ok. J'ai l'air crédible. Ok, moi je suis en 4-0. C'est rien de personnel. Je suis obligée de t'atomiser. Moi je suis bien là.
Mieux que lui, en tout cas. Protéger l'univers, une requête à la fois. Tourbillon. On va y voir plus clair. Okay, c'est plutôt pas mal. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Lâchez la bête. Alors. Vous préférez quoi? Compassion ou chaos? Le rayon de la mort. Tourbillon. Ça va être la guerre des étoiles. Oh Lux, je l'avais, tu le sais très bien. Ok, qui se sent d'humeur féroce? Bon, je vais rien lui dire parce que bon, c'est pas comme si j'étais en retard. Hein. C'est pas vraiment mon idée de ce qui est magique. Il doit pas être, se sentir bien lui. Personnel, je suis obligée de t'atomiser. Sois pas si dur avec toi-même. Je suis là pour ça. Ouais, je crois que je suis née sous une bonne étoile. Étoile fatale. Si tu lui mettrais un nul, je pourrais lui mettre le mien potentiellement dans la suite, hein. Mais bon. Désolée, c'est la première étoile qui m'a forcée. Donc. Je me bats pour la paix, la justice et peu importe. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Ok, bah moi je vais rebac. Hein. Les gens disent que les adieux sont déchirants. Quelle bande de crétins. Oh, t'inquiète. La première étoile dit que tout est prévu. C'est bien beau d'avoir la tête dans les étoiles, mais parfois, faut laisser parler les flingues. C'est ton tour. Ok, bon, le pire, c'est que de base, moi, je voulais juste back. Hein. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. Gloire à la première étoile. Je me sentirais presque coupable. Ok. 88-85 en farm on est toujours kiff-kiff. Mais kiff-kiff avec moi qui a un avantage qui suis en 4-0-2. Donc clairement, on part là-dessus et là-dessus. De suite, je vais te vendre lui pour plutôt m'acheter lui. On est en mission. Est-ce qu'on lui dit au revoir, lui? C'est rien de personnel. Je suis obligée de t'atomiser. C'est parti. On arrive tous, hein. Surtout ça. Si vous regardez bien. Oui, Kuro. Tous mes ennemis ont peur de toi. Si dur avec toi-même, je suis là pour ça. Ok, tu te sens d'humeur féroce. C'est parti. Attention. C'est ton tour. Ok. Boum. Pour toi, c'est extinction des gueules. Réfléchis vite. Pile à l'heure. C'est parti. Bonjour à mes petits potes. Ça, ça me plaît un peu moins, j'avoue. Des flingues et des paillettes. C'est dommage. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Alors. Ha ha!
l'ambiance quand on se bat. Qui se sent d'humeur féroce? Mais on est bien. Shiro et Kuro sont prêts à entrer en action. Je commençais juste à m'échauffer. Dis bonjour à mes petits potes. Okay. Regardez-moi, okay. Le chaos qui s'est trouvé un but. Je vais essayer de faire sans douleur. Je suis overfit, c'est bon. 6-0-2. Les gens disent que les adieux sont de Shiro. Quelle bande de crétins. De quoi, Def? On a la première tourelle? Le micro, Def. On peut se prendre ça et on peut se prendre ça. Non, Kuro. Moi, je suis la gardienne. Toi, tu es le flingue. Tu vas te taire, sérieusement. Regarde nos scores. Moi, je suis en 6-0-2, mec. T'as rien à dire. Pourquoi il n'y a personne qui défle là? Bah, il faut qu'on prenne autre chose en retour. Bien évidemment. Quoi? Tes flingues te parlent pas? Maintenant, je peux tout voir. Dis bonjour à mes petits potes. Méfiez-vous des paillettes. Oh non! Moi, je cherche pas à entendre le code des gardiens. Gaffe! Attrape! Viens me chercher! Adolf, inversion de la polarité! C'est parti! Sérieusement? Garde! What you do? Putain, hé! Moi, j'ai réussi à faire un kill avant de mourir, quand même. Vous faites quoi, les gars? Ah, c'est dommage, ça. Moi, j'ai réussi quand même à prendre le kill, hein. Je suis désolé, mais j'ai eu un kill. Donc, par contre, voilà, quoi. Oh, mais c'est good. It's okay. Vas-y, il est mort, normalement. Et j'ai peur qu'il meure pas, hein, je l'aurais traité. Votre équipe a détruit une tourelle. D'ailleurs, faudrait qu'on pense à ça. Hein. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. Je suis pas sûre d'aimer ce costume de gardienne des étoiles. C'est une suggestion comme une autre après, hein. Sont plus fortes que le feu. Ok, go. Moi, je vais reprendre ça en plus. Des flingues et surtout que le prochain va être super important. Cyclone, c'est rien de personnel. Je suis obligé de t'atomiser. C'est que je sais qu'avec son ult. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. À ton bon, Satan. Oh non, m'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. On commence. C'est parti. Je suis fou. Relax, ah. Shiro. Ah.
Oh, on est si peu à chaque fois, j'ai l'impression. À 5, on est à 4. T'as vraiment, par contre, Hulk, que t'as loupé vraiment, mec. Hein. Ah, mais. Je vous ai manqué. On est en mission. Mais je ne me rappelle plus laquelle. Le truc, c'est que je suis pas encore assez fort pour là faire du 1v2. Tout ça, des trucs comme ça, parce qu'il y en a. Doublé. Yeah. Pourquoi les gardiens des étoiles doivent forcément... Les gars, vous voyez rien là ou quoi? Je me sentirais presque coupable. Lâchez la bête! Sois aussi dur avec toi-même. Je suis là pour ça. On est en mission. Je ne sais plus laquelle. Mais... Désolé, c'est mon devoir de téléphone. Viens me chercher. Qui se sent d'humeur féroce, pas. Mais sérieusement, je lui fais tellement mal. Si vous réagissez un minimum, on l'a. Hein. Vous pouvez react un peu plus, on les tue. Alors, on a dit nous qu'on partait sur l'homme du roi déchu. Essayez de changer vraiment à ce niveau-là. Vous pouvez pas battre une gardienne des étoiles. Quand ils sont tous au mid tout le temps. Qui s'est trouvé un but. Moi, j'arrive. Oh, il a une chance 7-3-3 quand même. Ça me ferait chier en fait là. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Gardienne des étoiles à la rescousse. J'ai l'air crédible. C'est ça qui coule quand on est gardienne des étoiles. Double destruction. Éclat du jugement. Encore une fois. Fuck it. Viens chercher. Allez, soit vous faites un truc. C'est vrai que c'est lui là. C'est parti. Quoi, t'as pas fait ta cache sur lui, ma gueule? Qu'est-ce que tu nous as fait? Moi j'en ai marre. Je prends des kills comme ça, je prends des doublés, mais je meurs parce que voilà, vos placements sont très mauvais. Alors. Mais on devrait les gagner quand même ces fights. J'y vais, moi il me faut du farm. Encore, parce que apparemment 9k4 ça suffit pas. Alors j'ai m'overfeed. Oh non, m'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. Puis on sera beaucoup mieux. Quoi, tes flingues te parlent pas? Je vais être sûr. Ok, moi je veux bien, mais on y va maintenant. Oh, pourquoi les gardiens des étoiles doivent forcément la jouer sur les... Désolé, c'est mon devoir de te détruire. Vous l'aurez voulu. Oh.
Shiro et Kuro sont prêts à entrer en action. Alors. Les gardiens des étoiles ont des choses plus importantes à tuer. Allez, easy. Sans plus. Gloire à la première étoile. On prend quand même un qui est pas négligeable du tout. Lui, je vais le mettre là parce qu'il y a quand même l'actif qu'il faudrait que j'oublie pas trop. Mais le fight était beau, hein. Le fight était relativement beau. Ok. Donc alors. Inflige 100 points de dégâts magiques aux champions, s'il vole 25% de sa vitesse pendant 30 secondes. Ça, ça va être très intéressant. Vraiment. Bon, au revoir, Zed. Oh ça, j'y ai cru pendant un instant, j'y ai cru. Voilà. On va avoir besoin d'aide ici. Hein. On tient quand même bien nos lanes. C'est kiff à ce niveau-là. On est en mission. Mais je ne me rappelle plus laquelle. Alors. Je les ai sidérés. Guys. Explosion. Allez, tu le tues normalement lui. Ben non. Putain. Putain les gars. Les gars. Alors ici, ils ont un peu de. Ouh, danseur fantôme. Moi je vais vendre ça pour l'instant. Pour prendre le danseur fantôme en premier lieu. Clairement, on va voir le coup, on va même vendre ça pour préparer ça également. Vous pouvez pas battre une gardienne des étoiles. Méfiez-vous des paillettes. Quoi, tant pis, j'ai plus le temps là. Mais là, bordel! Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Je peux te donner ce costume de gardien des étoiles, moi. Ok. Pas moi, mes flingues agissent tout seuls. Ok, go go go. It's ok, les gars. Non, Kuro. Moi, je suis la gardienne. Toi, tu es le flingue. Encore le ace, il est loupé par ma faute. C'est mon devoir de te détruire. Viens me chercher. C'était vraiment fulgurant. C'est bon, on est bon là. On est bon les gars. Et on va voir se prendre notre danseur fantôme. Ok, et en dernier item, vu comment ils sont, ils ont pas spécialement de contrôle, donc on va se prendre une petite soif de sang.
Shiro et Kuro sont prêts à entrer en action. Oh. Non. Je lève vite fait là. Mine de rien. Bonjour à mes petits potes. J'ai juste des push. De toute façon, eux ils ont plus rien. Hein. Leur Nash il a été très court. Petite étoile, petite. Donc. Désolé, c'est mon devoir de se détruire. Putain. T'en reviendras. J'ai failli le 1-1-1. J'aurais pas dû mourir. J'aurais pas dû mourir, parce que je pensais qu'il était plus loin. Allez, les gars. Allez, maintenant, barrez-vous. Go back. En attendant, donc je suis niveau 9, je vais peut-être me prendre quand même la bonne potion. Enfin, le bon truc, et je vais me prendre déjà la petite potion, même si je suis pas encore full stuff. Sois pas si dur avec toi-même, je suis là pour ça. Allez. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. Je suis hyper bien, moi, dans la game, hein. Honnêtement. 15-6-8, oui, je suis clairement bien. Il n'y a pas à dire. Protéger l'univers, une requête à la fois. Ah. Les étoiles sont plus fortes que le feu. C'est ça, on est en mission. Inversion de la polarité. C'est parti. C'est à tout. Non mais soit t'arrives à le tuer lui. C'est parti. Oh, so bad. Fou. C'est qui parle, le Z? Un allié a été tué. Un ennemi a été tué. Lux, t'as moyen. Pour moi, t'as moyen. Normalement, Lux, t'as pris des dégâts. Ouais, clairement, tu pars pas si trop dessus. Moi, je vendrais même ton item support. Mais après, c'est mon avis. Hein. Me revoilà. Je vous ai okay. Manqué. En avant pour la gloire. Ouais, je pense que Lux va falloir qu'elle vende très bientôt son item support. Parce que c'est pas lui qui va nous être très utile. Désolé, c'est mon devoir de te détruire. Voilà. Ok. Non, Kuro. Je vais moi, pas aller plus loin. On n'a pas toi, de vision. Tu es le flingue. Donc on va pas aller beaucoup plus loin. Kir. Je vais essayer de faire ça sans douleur. Kir, bro. Être un héros, ça casse l'ambiance quand on se bat. Non. Ok. JJ. Ok. Qui se sent d'humeur féroce?
Dis bonjour à mes petits potes. Je me bats pour la paix, la justice et peu importe. Ok, ok. Normalement, on va pouvoir push encore. Rayon stellaire. Oh. Shiro, c'est à toi. Oh. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. Est-ce okay. que la première étoile doit subir autant de pages à A deux, c'est mieux. Extinction des feux. Préparez-moi. Ok, mais c'était un peu dur d'y aller. Protéger l'univers, une requête à la fois. Je me sentirai presque coupable. Désolée, c'est la première étoile qui m'a forcé. Normalement, je fais un verre, mon coco. C'est pas vraiment mon idée de ce qui est magique. Sois pas si dur avec toi-même. Je suis là pour ça. Non mais. Back. Éclair du jugement. Moi, je vous l'ai dit, back. Hein. C'est le seul conseil que je peux vous donner, et je vais plutôt partir d'ailleurs. Là, dessus. J'ai un cadeau pour toi, Kuro. Okay. Je me bats pour la paix. Moi, je viens venir. Justice, hein. Et mais si on le fait, si on le fait. Hein. Go. Hé, hey, Baron. Tu veux nous filer un coup de main? Ils vont pas pouvoir nous le contester. Ils peuvent même pas nous contester. C'est rien de personnel. Je suis pressé. Je suis obligé de t'atomiser. C'est ma réponse. Double requête. Dis bonjour à mes petits potes. Oh putain, come on guys. C'est pas vraiment mon GG, bro. De ce qui est magique. C'est parti. Tiens. GG. Un allié a été tué. Good. Push. Et push les gars. Vraiment, hein, c'est pas une blague, c'est un conseil. On push. Bon. Alors honnêtement, on est pas mal du tout dans cette game. Barre-toi. À deux, ils vont faire mal. À deux, ils vont faire très mal. J'ai oublié de lire mon manuel du gardien. Ok. Please, je snipe. Méfiez-vous des tailles. J'avais juste besoin de 100 gold, mon coco. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. J'ai juste besoin de quelques golds. Hein. Le chaos qui s'est trouvé un but. Les gardiens des étoiles ont des choses plus importantes à tuer que les autres. Éclair du jugement. Ok, finish. Boum! Pour toi, c'est
Allez, les gars, on finish. Est-ce que la première étoile doit subir autant de paillettes, elle aussi? Je vais essayer de faire ça sans douleur. Nami, elle peut pas def. Sois pas si dur avec toi-même. Je suis la plateforme. Oui. Go, go, go. On peut finish, hein. GG les gars, GG, it is a win. Ok, ça marche.